C'est un peu gros pour la corvette. Ça fait pas que dalle avec le soleil. Il n'y en a pas ici. Oui. C'est pas mal ça. Il n'y a pas de pub, par contre il y a beaucoup de musique. Oui. Et c'est une radio locale, ça veut dire qu'on ne diffuse pas sur un grand territoire. Mais je vais vous montrer sur la carte de la Bretagne jusqu'où on diffuse. Et on travaille en collaboration avec trois autres radios qui sont aussi qui ont du breton dedans. Une autre radio avec que du breton, nous on est une radio qui diffuse que en breton. Et deux autres radios qui font breton-français. Voilà, et je vous expliquerai après ce que c'est. On est, donc il y a une directrice, il y a trois animateurs, moi, Laetitia et Brié, que vous allez voir, Maël, qui est animateur, qui est en service civique avec nous, qui se cache, une journaliste, qui n'est pas employée par la radio, mais qui travaille ici, mais elle n'est pas là non plus ici. Oh, c'est les vacances, donc on est en équipe réduite. Et un technicien. Et vous allez voir ce que fait le technicien. Je vais vous montrer la salle où il y a tous les CD. C'est bon? On commence? Oui. Allez, la radio a commencé avec 5 CD. Et tous ces CD-là, ils n'ont pas été achetés. En fait, c'est le technicien qui s'occupe aussi de la programmation musicale. Qui a demandé aux maisons de disques d'envoyer des CD, qui a demandé aux artistes d'envoyer des CD. Donc tout ça, ça a été construit au fur et à mesure. Je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir des centaines, peut-être des milliers. Sur la gauche, en bleu, c'est les CD bretons. Donc c'est tout ce qui est produit en Bretagne. C'est pas forcément de la musique traditionnelle, hein. Il n'y a pas forcément de la bombarde ou de la cornemuse. Il y a du rock, il y a de tout, mais c'est produit en Bretagne. Après, en jaune, c'est la musique du monde.
En rouge au fond, c'est plutôt rock, rap et pop. Donc il y a des classements comme ça. Et en vert, à droite là, c'est la musique celtique. Donc de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande. Voilà. Pourquoi on a des classifications comme ça? C'est parce que dans les radios, je ne sais pas si vous savez, toutes les radios en France ont l'obligation d'avoir au moins la moitié de leur musique qui vient de France. Pour éviter qu'il n'y ait que de la musique américaine ou anglaise. Et nous, en fait, on ne diffuse presque pas de musique française. On diffuse beaucoup de musique bretonne. On a 60% de musique bretonne. Et donc, c'est pour que Gaël, le programmateur, sache en fait quel pourcentage il a de musique bretonne et autre, quoi. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure la playlist. Vous savez tous comment fonctionne une playlist ? Non. Bon, je vous montrerai alors. Donc voilà, c'est un peu le cœur de la radio parce qu'on a beaucoup, beaucoup de musique. La radio est plutôt connue pour ça, pour la programmation musicale. C'est des artistes du pays, quoi. On les connaît pas trop, ils sont pas diffusés sur RTL2 ou Skyrock, mais c'est un moyen de commencer aussi pour eux. Voilà. Comment ça marche alors ? Bah, par fil électrique. Par des ondes. C'est pas des fils électriques, c'est des ondes comme les micro-ondes que t'as. C'est quelque chose que tu vois pas, mais que. Oh, ça brille. Mais que tu reçois quand même, quoi. Et on a une sorte de. Comment expliquer ? Imaginons qu'il y a une grande bande comme ça. Et sur cette bande, en fait, il y a des petites ondes que chacun va prendre, va acheter, en fait. Et c'est les numéros que vous voyez sur la radio. 90.0, 92.2, tous les. C'est les numéros qui sont les ondes hertziennes, on appelle, pour capter la radio. Et donc la radio, on a trois, à acheter trois ondes, 90.2, 92.0 et 97.5. 90.2, c'est une antenne qui part de Plonace, donc ici, et qui va diffuser, du coup, les ondes, elles diffusent d'un endroit en rond. Donc ça diffuse à peu près comme ça, la première antenne. La deuxième antenne, 92.0, va diffuser autour, comme un rond aussi, et on diffuse jusqu'à Brest, du coup. Ça fait un rond, hop. Et une autre à côté de Pont-Aven, et ça c'est 97.5, et on diffuse en rond. Voilà. Donc, en principe, on entend Radio Carnet jusqu'à Brest et jusqu'à Quimperlé. Voilà. Après, c'est pas comme les grandes radios, France Inter, France Info, RTL2, qui ont des antennes partout et qui ont beaucoup de stations. Et comme ça, elles sont entendues sur tout le territoire, quoi. Nous, on a les deux tiers du Finistère. Voilà. Après, pour avoir une couverture de radio en breton à peu près partout où on parle breton, il y a une autre radio à Landerneau qui s'appelle Arbrug FM. Et là, c'est une autre radio qui travaille que en breton aussi. Et on travaille avec eux, on partage des émissions. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et donc, eux, ils vont prendre à peu près tout le Nord Finistère et une partie des Côtes d'Armor. Ensuite, parce qu'en Finistère, on parle breton beaucoup. C'est pour ça qu'on n'est que des radios en breton. Après, à côté de Carré et à côté de Vannes, il y a des radios qui font à moitié français, à moitié breton. Parce que c'est aussi des territoires où il y a une partie qui parle breton, une autre qui parlait plutôt français. Gallo. Donc on ne va pas rentrer dans l'histoire de la langue. Et donc on travaille aussi avec eux en réseau, avec donc Radio Crazy Brace, RKB, Radio Bourguignonne, RBG. Voilà. Voilà pour la zone de diffusion. Il y a des questions là-dessus ? Oui ? Ouais, c'est un peu ici. Ça doit être quelqu'un qui partait en reportage et qui voulait savoir où il allait. C'est généralement, on essaye de pas trop écrire sur la carte, mais ça arrive. Parce que je vais vous expliquer après le métier d'animateur ou de journaliste radio. On va souvent aller sur le terrain, interviewer les gens, quoi. Ou alors ils peuvent venir ici. Je vais vous montrer le studio où ils sont enregistrés. Voilà. On peut continuer tout droit ? Zone de diffusion. On peut aussi enregistrer. J'enlève. En fait, ça c'est un transmetteur radio. On capte la radio comme dans une voiture. Comme ça, on sait s'il y a un problème directement. S'il n'y a plus rien sur les ondes, c'est qu'on a un problème ici. Ou alors, au niveau de l'antenne, et ça, c'est un peu plus dur à régler. Donc voilà comment se présente un studio. C'est un petit studio. C'est pas quelque chose de très extrêmement sophistiqué, mais ça marche bien.
Bon, au niveau technique, ça s'appelle une table. Et les petits bitonios ici, c'est des tranches. Donc quand on ouvre une tranche, celle-là ouverte, ça diffuse. Donc ça diffuse ce qui est relié à la tranche. Cette tranche-là est reliée à cet ordinateur. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de playlist. On est sur la playlist là. Ça se présente comme ça. Donc tout ce qui est en vert, c'est la musique. Le programmateur s'occupe de faire, de diffuser de la musique, de choisir quel morceau il va placer dedans. Bon, il ne fait pas à la main tout. Hein. Tout est classé et après il va choisir tel pourcentage de musique bretonne, tel pourcentage de rock, tel pourcentage de punk, enfin voilà. Donc en vert c'est la musique, en rose c'est les fréquences, donc ça va arriver bientôt, vous allez entendre sûrement, qui donne à Elian par exemple, on capte Radio Carnet sur 92.2. Ensuite en rouge c'est les heures. On va rentrer les top horaires pour être calé sur l'heure. Comme ça, les gens, ils écoutent, ils savent quelle heure il est. Bon, généralement, ils ont des portables ou des montres, mais ça peut servir. Et en bleu, c'est nos émissions. Alors, beaucoup d'émissions ne sont pas en direct. Il y a deux types d'émissions, les directes et les non directes. Donc ça, c'est des émissions qui ont été préenregistrées. Celle qui va passer à 4 heures, elle est produite par la radio qui est à côté de Vannes. C'est une radio, une émission qui s'appelle Pop's Cut, c'est sur la musique. Ça peut être la musique, ça peut être Sylvie Vartan comme section d'assaut. Oui ? Mon père, il doit connaître qu'il va souvent à Vannes. Ah, bah il connaît peut-être la radio, ouais. Elle est assez connue en plus, mais elle travaille à la fois en breton et en français. Et donc avec eux, on échange une émission d'une demi-heure, une émission musicale. Et donc voilà, alors si on regarde bien, la playlist va s'arrêter à 16h37 et elle reprend qu'à 18h. C'est parce qu'on va passer en direct sur une autre radio, Arvorg FM, qui est à Landerneau. Et à ce moment-là, on va ouvrir la tranche ici, celle-là. Vous avez compris les enfants ? C'est-à-dire que la radio ici, ben, elle fait aussi relais avec d'autres radios ailleurs, vu qu'on a un peu les mêmes similitudes. Voilà. On échange des émissions, ouais, c'est un échange de bons procédés. Et donc, on va monter la tranche ici. Bon, là, je peux la montrer parce qu'il n'y a rien sur le truc. Et c'est cet ordinateur-là, ce qui est diffusé sur cet ordinateur-là, qui va être diffusé à la radio. Et on va descendre en même temps celle-là, parce que sinon, on a deux choses en même temps et ça fait un cafouillis énorme. Les tranches sur la gauche, c'est les tranches micro. Donc, quand on ouvre une tranche, tout ce que je suis en train de dire, si cette tranche était ouverte, tout ce que je suis en train de dire, ça passerait à la radio. On ne va pas le faire parce qu'on ne diffuse pas ce qu'on sait. Mais voilà. Après, on a aussi moyen de diffuser quelqu'un au téléphone. On a une tranche, il suffit de l'ouvrir et la personne qui parle au téléphone est diffusée en direct. Voilà. Ma mère, je crois qu'elle a été diffusée aussi à cause de sa mère. D'accord. De Quimper. Où ça ? À France Bleu Brésil, peut-être ? Peut-être, je ne sais plus. C'est possible, radio. Il y a pas mal de radios locales ici. En breton, il y a France Bleu Brésil, mais eux, c'est une radio publique. Ils sont payés par l'État. Et puis, comme station, je sais qu'il y a Chérie FM qui est installée à Quimper, par exemple. RCF aussi. Mais ça, c'est pas très... Vous écoutez peut-être pas. Vous écoutez quoi comme radio ? Qu'est-ce que t'es que ça ? Fun Radio ? J'écoute un peu toutes les radios. RTL2 ? France Inter. Un peu tout. Et Radio Carnet. Et Radio Carnet, évidemment, je suis sûre. Non. Donc voilà ce qui se passe. Donc là, on diffuse. Et c'est cette tranche qui s'occupe de la diffusion. Donc si je descends la tranche. Le son baisse. D'accord ? Ça agit directement sur ce qui est diffusé à la radio. Voilà. On a aussi des journaux, des flash infos en breton. Et c'est là qu'entre en scène notre journaliste qui va aller chercher de l'actualité. Le plus dur, c'est de trouver des gens qui parlent breton parce qu'il y en a moins que des gens qui parlent français. Et va les faire parler sur l'actualité. Et puis, ils vont échanger leur radio, leurs infos entre journalistes des quatre radios dont je vous ai parlé. Et monter leur petit flash info qui passe à 7h30, 8h, 8h30 et 17h30. Voilà. Donc nous, on a deux émissions en direct, celle de 7h30 à 9h30
qui c'est Briac qui la présente, et une autre de 10h30 à 11h30. On présente des morceaux de reportage, de la musique, des chroniques, des contes, un peu de tout. Et tout ça en breton. Oui ? C'est sûr que la tienne ? C'est 90.2, ça dépend, tu habites où ? C'est 90.2 pour toi. Ou 92, tu peux essayer. Voilà. Sur la diffusion, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer l'un de vous qui dire quelque chose ou répondre à mes questions, et après je vais vous montrer comment on fait, comment on travaille le son. D'accord ? Quelqu'un veut s'asseoir en face ? Moi. Va t'asseoir à côté, il y a deux micros. Tu parles un peu aussi, toi. Tu parles beaucoup. Oh, oui. Ah, Alors, je vérifie que tout est branché. Vous verrez comme ça comment marchent les tranches. C'est la même chose que la carte de là-bas, sauf qu'elle est plus vieille, celle-là. Mais elle marche pareil. Bon, alors, le but... Oui, tu peux descendre le micro, hein, si tu veux. Comment ? Appuie. Voilà, c'est bien ? Alors, je vais vous enregistrer. Est-ce que ça vous plaît, les enfants ? Oui. Ouais. J'ai déjà venu dans un studio comme ça ? Non. C'est pas n'importe lequel en plus. Voilà. Alors, je monte la tranche de mon micro. Ta tranche à toi. Micro 1, vas-y, parle. Ben, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, ça, c'est très bien. Et ta tranche à toi. Tu peux parler. Voilà. Vous pouvez dire vos prénoms si vous voulez. Comment tu t'appelles ? Diego. Diego, et toi ? Nino. D'accord. Et donc, vous voulez faire quoi plus tard ? J'en sais rien. Aucune idée ? Aucune idée. Footballeur professionnel ? Non. Champion de surf. Ah, non. Champion de surf ? Et toi ? Aucune idée. Tu verras, pardon. Astronaute pour aller voir la Lune ? Non. C'est moi. Bon, d'accord. Bon, je vous ai enregistré pendant une minute. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait, comment se présente le son sur l'ordinateur. Si vous voulez venir derrière. On va en faire un. Maman ! Ça filme. Venez voir si vous voulez. Qu'est-ce que ça donne ? Ça filme. Hein. Donc voilà, en fait, le son, c'est quand il y a des petites vagues comme ça, d'accord ? Donc là, elles sont toutes petites, donc je vais tout sélectionner et mettre un outil qui les agrandit. Vous avez vu ? Elles ont grandi. Et maintenant, on va tout réécouter. Je monte la tranche de mon micro. La tranche à toi. Micro 1, vas-y, parle. Bah, qu'est-ce qu'on dit ? Bah, ça, c'est très bien. Et ta tranche à toi ? Tu peux parler. Ah ! Voilà. Vous pouvez dire vos prénoms si vous voulez. Comment tu t'appelles ? Bah, Diego. Diego ? Et toi ? Nino. D'accord. Et vous voulez faire quoi plus tard ? J'en sais rien. Aucune idée ? Aucune idée. Footballeur professionnel ? Non. Non. Ah, non. Champion de surf ? Et toi ? Tu verras. Bon, voilà comment ça marche. Donc, par exemple, mettons que je vais prendre cette partie-là. J'en sais rien. Aucune idée ? Aucune idée. Footballeur ? On peut enlever ce que je dis, par exemple. Ou un morceau de ce que... La technologie. Aucune idée ? Non. On peut rien. On peut mettre du blanc à la place de ce qu'on a dit. Ou après, on peut faire plein de choses. On peut rendre la voix bizarre, on peut... Ouais. Mais ce qu'on ouais, fait... Ouais, la voix bizarre. Ce qu'on fait, je vais essayer de... T'as pas l'habitude d'écouter ta voix ? Ça fait drôle, hein ? Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on coupe, généralement. Après, ce qu'il faut pas faire, c'est couper en changeant le sens de la phrase de la personne. Bon, on n'a pas le droit de faire ça. On peut pas faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Mais on va enlever les silences, on va enlever les répétitions, les « e », les questions. Les S.
voilà. Et nous, tout ce qu'on rajoute souvent, on dit oui, oui, mais en fait, ça fait trop, quoi. Donc, quand on est dans une conversation, c'est bien, mais quand on écoute la conversation, quand on entend quelqu'un dire toujours oui ou ok, c'est pénible, quoi. Donc voilà, c'est avec ce logiciel-là qu'on fait les émissions. Et après, on va rajouter d'autres morceaux de reportage pour faire une émission de 3 quarts d'heure, par exemple. D'accord ? Donc voilà la technologie. C'est super. Est-ce que dans ce studio, vous enregistrez des musiciens en session live ? C'est rare, mais genre, ça arrive. Ouais. Acoustique Moi, j'ai jamais vu. Ah, je suis arrivée en octobre dans la radio, donc, mais ça doit arriver certainement. L'embêtant, c'est qu'on ne peut pas prendre des gens qui, des instruments qui sont trop bruyants. Mais de la guitare, ça peut certainement se faire. Après, ce n'est pas un studio d'enregistrement musical. La qualité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Mais bon, c'est ici qu'on reçoit les gens quand ils viennent pour les interviews, quand on ne va pas sur les terrains les enregistrer. Il y a quelque chose par rapport à ce que vous intéressez comme trace du passage, peut-être pour utiliser autrement. Peut-être que nos questions et vos réponses, qu'on pourrait les enregistrer ici. Si vous voulez, maintenant, ouais. Comme ça, ce serait fait. Moi, je lance les micros et puis ça sera... Alors, le jeu, c'est... No. Question en breton. Réponse en français. Non. Question en breton, réponse en breton. Et j'aimerais bien faire question en breton et traduit direct en français avec réponse en breton et peut-être traduction en français. Je connais pas tous les mots bretons alors. Tu fais avec Milo un petit peu. Ça vous dit d'essayer les enfants? Un jour. Ouais, je vais prendre le chien. Asseyez-vous tout autour si vous voulez. Moi, essayez de parler plus loin devant le micro. En fait, on travaille sur la communication avec les enfants. D'accord. S'il y en a qui veulent répondre devant le micro. Comment les 2-4-6-1, c'est quoi nos caractéristiques territoriales? Donc, la nombre de choses. Je reçois. Allez-y. Pio and the Sgouet are Skin Gons à Perrac. Qui a créé la radio et pourquoi? Alors, Ibrezonek. Ibrezonek? Et France. Alors, Strolatud and the Crewed à Radio. Et Peguer ne waked à Radio Ibrezonek, à Rock, à Mans. Bewa Arvorig FM, à Ibrezonek Pendaden, à The Becrewed, Trégon Hugen Brasso. Hag amman a radio a zo bet krouet pemz e glaso. Gant ur strolatud hag a oennet gant a radio a noar c'hoant da glevout brezhonek a radio. Setu. Ya. Petra eo ar skin gantz Frank. Qu'est-ce qu'une radio libre? Une radio libre, je ne sais pas si on peut employer ce mot aujourd'hui encore. Avant la diffusion radiophonique était contrôlée par le gouvernement, parce qu'il passait, il fallait que ce soit il fallait que ça aille avec ce que pensait le gouvernement, quoi. Je ne suis pas spécialiste des radios libres. Mais Il y a encore des radios libres, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, c'est une radio, ils prennent les ondes de... Donc ils n'ont pas le droit, puis la radio s'appelle Radio Klaxon. Mais bon, c'est interdit, mais... D'accord. Il y a pas de pub, comme quoi, voilà. Mais s'ils font ce qu'ils veulent. Donc une radio libre, c'était une radio qui faisait ce qu'elle voulait. C'était ça. Il y a eu un âge d'or des radios, quand les émetteurs et toutes les choses qui permettaient de créer une radio... sont devenus peu chers. Et du coup, les gens, ils faisaient leur petite radio dans leur maison, à Radio Carnet, à Zobécrouet, Mossé, quoi, NR-Randy, NNT. La Radio Carnet était créée dans une maison, à la base. C'était pas un studio technique comme ça. Quoi. Petra et O à fréquence où? C'est quoi les fréquences? Arpès me disent les guides de Epen Kenta en Arvela Adem.
à fréquence de Square et de Radio Kernet, Azo, Degape Varugen Pic Dao, Dao Zegape Varugen. C'est les fréquences, c'est les numéros que vous voyez sur votre poste radio, par exemple 92.0, 90.2, 87.5, les fréquences de Radio Kernet. Et c'est des morceaux de bande que chacun achète ou n'achète pas, parce que les radios libres n'achètent pas leurs fréquences, pour pouvoir diffuser sur dans les ondes, quoi. Voilà. Petra est où? Dans Véjou? Ou abadez-moi? Abadez-nous? Skin Gongs. Quelles sont les thèmes de vos émissions radio? Bezos Abadez-nous son iris, Abadez-nous doire et reportage, comme Nicole à Gonzo et Bars. Abadez-nous Politikel, Abadez-nous Kevredigeshel, Abadez-nous Ayulvat, Kruet Gantud Ayulvat. On fait des émissions, il y a une émission par exemple dont je vous ai parlé, Popscud, qui n'est que sur la musique. La plupart de nos émissions sont culturelles, sociales, sur ce qui se passe dans le pays, des émissions d'actualité et des émissions pour faire gagner des jeux par exemple. C'est le matin et le soir, on fait gagner des cadeaux, on fait des jeux donc. Et on a une émission de reportage, une émission, un genre de magazine, qui s'appelle Un Duce Corne Mondial et qui dure 3 quarts d'heure et qui est diffusée tous les jours. Ça, c'est l'émission de Radio Kernet. On a une émission pour les enfants qui s'appelle Dion Day aussi. Et autrement, c'est surtout de la musique. Voilà. Petra et Perec et Véclévet n'aiment pas Brezonec. Pourquoi on ne parle que breton? À Radio Kernet, à Zobek Rouet, évite l'acad arbrezonek var vel, l'acad arbrezonek var guagenou. Pegur bezeus kalz à Radio Yu egalek, menus kalz à Radio Yu et brezonek. C'est ça, évite chikour, stad arbrezonek, évite l'acad arbrezonek d'avea en avezit à klevet. On a la Radio Kernet a été créée pour aider le breton, disons, parce que le breton n'est pas très présent dans les médias, finalement. Il y a très peu de bretons sur France 3, par exemple, assez peu sur France Bleu Brésil. Et finalement, une radio que en breton, ça permet d'écouter du breton à toute heure et de pouvoir aider la langue à évoluer aussi. Madé. Madé. Coucou les Noël, il y a des questions? D'autres questions? Non. Je voudrais juste dire merci Radio Kernet, mais tous ensemble et très fort, ok? À trois. 1, 2, 3. Merci Radio Kernet! C'est dans la boîte. Est-ce que je l'envoie par mail après, l'enregistrement? Ouais, si tu veux. On s'envoie des mails avec des documents. Ouais, c'est super. Les supermarchés sont faits, même là. Quand tu veux du jambon, ils te filent du lard. Ils écrasent les filles qui filent leur marge. Ils sont tous capables, tu sens le moindre dollar. Je fais la valse des étiquettes. Les rabais pleuvent et que les soldats arrêtent. Toutes les promotions nous prennent la tête. Valsons, valsons avec les étiquettes. Le cacao est bas, le fromage râpé, les odeurs bizarres au rayon de la marée. Le choix est gigantesque et la viande variée. On sait plus quoi choisir, faut tout acheter. C'est la base des étiquettes. Boum sur le café, boum.
comme sur la cacahuète, la conjoncture ne vaut pas tripette. Valsons, valsons avec les étiquettes. Heureusement, bien sûr, il y a le trésor qui veille sur nos souvenirs après notre mort. La bourse est volatile, la corbeille est percée. C'est bien dommage pour nous, les crabes sont dans le panier. C'est la valse des étiquettes, des comptes en banque et des kilos de dettes. Quand les gens des impôts nous font la quête, valsons, valsons avec les étiquettes. Est-ce que caméra humaine Oui, pourquoi là. Non, c'est toi qui verras ça. Non, c'est moi qui crêpe. Les garanties mutuelles font pas dans la dentelle. Jusqu'à Madeleine, elle tire les ficelles. Les studios sont plus bas, la tendance est en hausse. Et le monde entier se vautre dans le négo. La valse des étiquettes, un seul qui vend, 100 000 qui achètent. Le temps c'est de l'argent, l'argent c'est des pépettes. Valsons, valsons avec les étiquettes. C'est la valse des étiquettes, un seul qui vend, 100 000 qui achètent. Le temps c'est de l'argent, l'argent c'est des pépettes. Valsons, valsons avec les étiquettes. Non, c'est toi qui sais pas nager. Pas trop le truc, hein. Ouais. Qu'après on va faire du montage, je te signale. Ouais, c'est du boulot, hein. Mais on m'entend parler, mais en fait, c'est pas grave.